on va aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On va te quitter. On va quitter le char aujourd'hui. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo quoi? Eh ben, on monte au 1000 Race à Zweibrücken en Allemagne. C'est une course d'accélération sur 1000 mètres sur une piste d'avion. Avec ça. Et la bête. On va voir que ça donne. Allez hop, c'est parti. Nouveau participant que j'ai rejoint. Il y a elle. Et il y a elle. Dans quoi il y a ça? Putain, une 180 avec un 2JZ dedans. Ça c'est bon ça. Avec un vrai collecteur d'échappement. Bon, on va se mettre en route. Ouais. C'est moi qui dois rouler la C maintenant. J'ai un peu peur quand même. Hein. Levée de vitesse court là. Je vais vous montrer ça. On voit pas que ma vieille gueule. C'est mon premier 2JZ. C'est comme, comme quand on est baptisé. Quand on fait le baptême. Les gars, l'embrayage, il est aussi on-off là-dessus. Hein. Ouais. Et le bruit, il est bon. Hein. Ah, franchement, putain, pour les 10 secondes où j'ai roulé, franchement, c'est impressionnant. Oh, le temps de charge, il est lent. Oh, là, on va faire doucement parce qu'on est quand même en ville. Après, j'accélère un petit peu là-haut quand on est sur une rocade. Oula, ça a frotté devant. Putain, mais le moteur, l'agrément de conduite du moteur, il est quand même fort. Hein. Juste pour le plaisir. Je vais accélérer, on va entendre le turbo qui se met en charge. Bon, il charge pas, mais il tourne. Charge, ça décroche. Putain, c'est trop fort. Oh, c'est un kiff cette bagnole. Alors, là, je vais peut-être pouvoir accélérer un tout petit peu parce qu'il y a un bout de rocade là. Ouais, mais c'est un truc impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. Ben, c'est comme je dis. Hein. Des fois, il n'y a pas besoin d'une voiture à 300 000 euros pour se faire plaisir. Hein.
perd des calories quand on roule. Mon Dieu, mon Dieu. Bon, on va voir, ça donne une petite deuxième là pour voir. Voiture arrive, on va aller jouer avec ça. Via Zinda, voilà, on est enfin arrivé. Il y a carrément des dragsters là-bas. Là, une petite Supra là, ça va être pas mal. Là, il y a la piste. Je sais pas si c'est dans le sens là ou dans l'autre sens, ou si c'est dans le sens là. Encore celui-là avec sa McLaren, mais bon, on verra. Bon, je lui ai demandé si elle était d'origine, évidemment. Je suppose que non. Je lui ai dit, il m'a dit non, elle n'est pas d'origine. Alors je lui ai dit, mais comment qu'elle fait? Là, on voit, il y a déjà des slicks dessus. Hein. Des 888. Et je lui ai dit, combien de chevaux elle fait? 8, 9. Il m'a dit non, ça arrive plus dans les 4 chiffres. Donc lui, il va rouler déjà dans la catégorie 1 avec plus de 1000. Je vais être loin derrière moi. Je sais pas quoi dire. Je pense que je vais dire que ma voiture elle marche pas et je roule pas avec. Metzka moto. Moteur des RS3, 5 cylindres. Dans la carrosserie d'une KTM là, qui pèse rien du tout. Et si elle est un tout petit peu programmée, ben, ça envoie sévère. Alors c'est un moteur de 991 turbo, enfin biturbo, en 4 litres 1 avec 2 turbos je sais plus quoi. Elle est passée de 3 litres 8 à 4 litres 1 et elle fait plus de 1500 chevaux. Donc en 4 motrices. Donc je pense que là ça va envoyer sévère. Hein. Je pense que je peux rester où je suis moi. Si je peux peut-être aller jouer avec ça. Et encore, je suis même pas sûr. Mais bon, à voir, ça va être une belle journée. Ah, il va faire chauffer la mécanique. Bon, là, on entend qu'il y a de l'entrée et de la sortie. Je sais pas comment dire ça. C'est pas bouché, quoi. C'est pas comme, comme elle, là. Elle fait un bruit de boucher, mais celle-là elle fait un bruit de ça rentre et ça sort. Bon, on va aller voir les Américains, parce qu'il y a des Ricains qui sont là. Elle fait peur cette voiture un peu. Oh merde, encore un. Mais c'est pas la bonne voiture non plus, ça ou bien? C'est d'origine, bien toi. En Atmo. Hein? En Atmo ça existe. Ah, ça existe en Atmo, en 6 cylindres ça. Je savais même pas. Encore un. Mais t'es pas le seul. Hein. Moi je vais enlever le phare. Ouais, c'est quoi, on va démonter le phare. Comme ça il faut prendre un peu d'air frais. C'est encore un 2JZ. C'est des 2JZ ou des Porsche qui roulent? Et là il y a un 2JZ x2. C'est abusé de mettre des sorties d'échappement. Oh, it would. In the quarter, this would. I'm sure. I know there are ones that run sevens. I'm not dumb. I mean, but you gotta understand. This is the granddaddy. Mon Dieu, la caméra rentre carrément dedans. Il a plus d'échappement sur un cylindre que moi j'en ai sur 10. This is a 550. Yeah, this is a 505. Je vais dire que la voiture elle démarre plus la mienne. Comme ça au moins je me ridiculise pas. Ah, la famille elle est là. C'est de la famille. Ah, tu vois, moi je ne sais pas les schnecks. M'a dit, t'as vu la schneck. J'aime pas quand ça part comme ça. Non, parce que si la merde qui rentre là-dedans, t'es mort. Mais bon, ça doit aussi
Ouais. Putain, il y a des sacrées caisses quand même. Encore. C'est comme ça. Je sais pas. C'est des Audi BM ça, non? Ah non. Apex. 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 C'est américain. Ah oui, Apex c'est vrai en plus. C'est... Apex c'est américain. Putain, 215. On est tout dedans. Allô. Ah, c'est l'Alpha. Ça, c'est bon, ça. Regarde d'où elle vient. D'où elle vient, la voiture, là? Alors, vous êtes sur le cul, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Alpha. Ouais. Mais il doit y avoir 1005, 1006, j'en sais rien. Il doit y avoir beaucoup, 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 là, beaucoup de chevaux, là. Bon, ça, bon, j'ai bien me ridiculiser nouveau après. Je sais, je dis que ça, mais bon. Je me dis peut-être qu'il va y avoir des 206 ou des trucs comme ça, mais non, en fait, non. Il n'y a que des trucs de fou. Et je viens de regarder, je me suis dit, mais il est passé où le... Où il est passé le turbo? Et je regarde, je dis, mais il n'y a pas de turbo, là. Il est où? En fait, il est là en bas. C'est trompé dans la notice du montage. Il est mettre là. Là, il est. Mon Dieu. Mon Dieu, j'ai peur. C'est bon, les B. Mais bon, je suis curieux de voir ce que ça va faire quand ça va rouler. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Il y a quoi là-dedans? Et d'en haut, ça a l'air tout normal, mais bon, c'est pas normal. Je pense que là, il y a aussi 1003, 1004. Je crois que la boîte, elle passe 1003 et après elle fait chier quoi. Et s'il a déjà 1003, il a déjà le double de moi. Donc. Marrant. Ouais, je sais pas si ça va être marrant. Bon, on monte au briefing. C'est parti. Là, ils roulent tous un derrière l'autre. Bon, je vais être loin derrière moi avec mes petits poneys là. Mais bon, c'est pas grave. On va déjà faire le briefing. On va rouler quand même pour le plaisir. Pour une petite vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Et on verra bien. Alors il y a même l'odeur avec, hein, mais vous l'avez pas. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bah ouais. Les pipes d'admission fait au CEOC, c'est un truc de fou. Et ça c'est quoi? Et ça c'est quoi? Un boxeur moteur. Ça c'est normal. Et est-ce que ça c'est normal? Collecteur. Putain, ça c'est beau. Hein.
Das ist dann mehr. Ja, wenn du sagst, das ist auch
entfernt. Die Auslöser sind alle einzufahren, damit die einsaugen. Oh. Ja, damit ist es safe. Also jetzt musst du BMW. VR6, 12 soupapes avec un gros turbo. On va quand même voir ce qu'il va faire lui. Putain, le VR6 on l'entend bien quand même. Filmer les deux là pour vous faire voir un petit peu. Größe war gleich, ne? Ja, aber ist dann müsstest du jetzt die Grenzschachtel nehmen. Dann hast du da. Nee, ich will doch jetzt einfach mal eine Motor rumlehnen, das macht man nicht. Das ist der Hammer. Und da habe ich nicht gesehen. Und da, ja. Thank you.
avant, c'était que un par un. Je sais pas pourquoi. Donc là, je pense qu'il me qualifie en fait les temps. Et après, ça sera nouveau contre quelqu'un. Bonne bière, bon chips et bon week-end. Allez hop, ciao ciao à tout le monde.